Mon nom est Jacques Bonafé. Je suis comédien. Mon costume préféré, ce seraient les mots. Mon déguisement de faveur, c'est les textes. Pour l'insurrection poétique que je présente au Festival du Mot, j'ai voulu garder une forme simple qui était celle de ma rencontre avec Léon, mon fils. On dit, on va s'exercer avec les textes qu'on connaît et on présente devant le public cette espèce de training. On pourrait l'appeler comme ça, entraînement, pardon. Restons French. Lui, il m'apprend beaucoup de choses, il y a un effet de rebond et aussi la parole se détache. On entend des choses particulièrement bien de notre écart, de nos jeux de génération. C'est pas tant le comédien en train de dire un poème, voyez comme c'est beau, que de chercher dans la mémoire commune ce qui tourne, tourne encore, tourne comme poésie, ce qui nous revient, de jouer avec les traces de la mémoire. Pour moi, il y a poème quand parfois on se rappelle de quelques bribes. Ayant chanté tout l'été, hein, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Ah, c'est un beau poème, ça. J'aime aussi ces fragments avec lesquels on pourrait fabriquer presque un autre poème, ou en tout cas reconnaître à la poésie ce pouvoir sur la mémoire. Naturellement, il y a des gens pour se réunir dans une chose qui s'appelle le Festival du Mot et qui disent que c'est utile de se questionner là-dessus, de réactiver ça. C'est comme de dire, après tout, avec les systèmes de vente aujourd'hui par correspondance, on pourrait se passer d'un libraire. Eh ben non. La démarche que j'aurais en allant au Festival du Mot, c'est celle d'un engagement. Mais j'aime les personnes engagées, oui.